Bonsoir, au sommaire des vendanges près de Doisite, un concert pour les 120 ans de la société musicale, une randonnée à Saint-Cricq, mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus. Bonsoir Henri, Bonsoir Pascal. président de l'association Chalosse-Tursan en Seine, donc qui redémarre une nouvelle saison, si j'ai bien compris Henri, c'est ça? Oui, nous démarrons la deuxième saison de l'association Chalosse-Tursan en Seine. Après une très bonne année 2017, on a eu un public qui a suivi toutes nos représentations. On a fait plus de 1200 entrées sur l'ensemble des 8 représentations. En ajoutant celle d'Hagetmont, on a fait 9 représentations. Et cette année, on a déjà préparé notre calendrier, notre agenda avec 9 représentations, ce qui démarre donc le 5 octobre pour se terminer le 14 juin. Mais on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure. Bien sûr. Alors Henri, on commence par quelle manifestation, par quelle pièce? Alors on commence par une pièce qui s'appelle Panique au ministère. Ça ne s'invente pas, c'est le ministère de l'Éducation nationale où c'est en plein bouleversement, c'est toujours un peu d'actualité, les ministères. C'est interprété par les Histrionnais de Rion des Landes, c'est des habitués, ils viennent en général, c'est souvent eux qui font la première représentation de la saison. Une très bonne troupe, oui, qui d'après. sont Voilà. très, très connus, qui font souvent des pièces assez dynamiques où justement il y a des claquements de portes et des choses pas tristes. Voilà. Très bien. Donc, tu peux rappeler combien on a de personnes sur scène à peu près sur Alors là, il cette y a troupe-là? six comédiens sur scène. Donc, l'action se passe au ministère de l'Éducation nationale, où la chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale est un peu le dragon, même le ministre en a un peu peur. Il y a plein de quiproquos, parce que sa fille qui est un peu une mangeuse d'hommes, le ministre qui panique un peu parce qu'il est nouveau dans les fonctions, mais ça faisait des années qu'il attendait un poste. Ça ne s'improvise pas. Et puis donc il y a un homme de ménage qui est un peu le Don Juan du quartier, du ministère, qui va un peu bouleverser toute cette ambiance et toute cette façon de travailler. D'accord, donc c'est vraiment de pour rigoler, quoi. C'est une... Oui, Voilà. c'est une pièce assez rythmée, donc il n'y aura pas d'entracte parce qu'ils tiennent des comédiens à jouer en une partie, ça dure 1h30. Donc ça va être à Sergaston, à la salle des sports, parce que la salle polyvalente est un peu trop petite. Maintenant, vu le nombre de personnes qui viennent, donc on met directement la scène à la salle des sports de Sergaston, vendredi 5 octobre à 20h30. Parfait. Est-ce que tu peux rappeler le tarif, les Alors, les tarifs, abonnements? c'est toujours 10 euros et le forfait pour les 9 représentations, c'est 70 euros. Si les gens prennent le forfait d'un coup, ils peuvent prendre les 9 représentations, même s'ils viennent à plusieurs, on va pas. Et c'est gratuit toujours pour les moins de 12 ans. Dans le cadre de la célébration de ses 120 ans d'existence, la société musicale proposait samedi soir un concert du Brass Band Occitania avec ses 35 musiciens. Voici un extrait. Thank you.
Nous recevons maintenant Marie-Chantal Taste, Fabienne Dubroca, animatrice de l'EHPAD, et Gabriel Cazobon, président de l'association Les Aînés de l'Avenir, qui viennent nous parler d'un événement qui s'est déroulé, je crois, dernièrement. Alors, qu'est-ce que c'est, Fabienne, alors ? Le 13 septembre, nous avons eu la grande chance de pouvoir vivre une journée magnifique avec les résidents, 19 résidents de l'EHPAD, à savoir nous sommes allés passer une journée à Lourdes. Donc c'était une journée magnifique, et dans quel cadre c'était organisé, comment Alors c'était au départ une demande de résidents, une envie. C'est un projet que j'ai essayé de monter. Financièrement, j'ai fait appel aux aînés de l'avenir pour m'aider à répondre à la demande des résidents. Une fois que les aînés de l'avenir m'ont dit « fonce, on rentre dessus », je me suis permise de présenter le projet aux résidents en leur montrant des photos que j'étais allée faire en amont aussi sur le site. Et nous sommes partis donc avec 19 résidents. La grande chance aussi, c'était d'avoir 8 familles qui ont répondu présentes aussi pour accompagner, plus 2 bénévoles et le personnel de l'EHPAD. Donc une belle logistique, magnifique organisation. Et alors, donc, Mme Taste, alors comment avez-vous trouvé cette sortie ? Absolument génial. C'était formidable. Il manque un peu de soleil, mais sinon c'était très bien. On a passé vraiment un moment merveilleux. Mais vous êtes parti le matin, rentré le soir, vous avez fait une halte, oui. Comment ça s'est passé ? On est parti le matin. Et on est revenu le soir à 6h30. On est arrivé ici à 6h30. C'est très bien. Donc vous avez eu vous avez organisé aussi la restauration ou Voilà, nous avons été reçus sur place par l'accueil Notre-Dame, qui a mis vraiment une grande salle avec vue panoramique sur la basilique et la grotte à notre disposition, ainsi que le repas. Qui a épaté aussi, il faut le dire, quand même, les résidents et les accompagnants, où nous avions des tables rondes avec des couverts magnifiques. Un très très bon repas, Marie ? Ah oui, excellent. À refaire. À refaire. Et voilà, cette vue magnifique qui permettait aussi, en ayant un accompagnant pratiquement par résident, de pouvoir vivre sa journée seul et pleinement. Chaque résident pouvait se déplacer sur le site comme il le souhaitait, revenir sur notre base qui était l'accueil Notre-Dame. On a passé le moment du repas, le moment du chapelet à la grotte, tous ensemble, avant de revenir sur Agenois. Génial. Alors Gabriel, tu peux nous parler un petit peu des aînés de l'avenir. Comment tu as foncé de suite sur ce projet ? Comment on peut rappeler un petit peu le but de l'association ? Mais par rapport à ce projet, en gros, on revient vraiment à l'idée principale que j'avais eue en créant l'association, c'est-à-dire pouvoir proposer du divertissement et des actions en faveur des personnes âgées de la maison de retraite d'Agetmont, mais en ayant une impulsion qui vient du sein même de cet établissement. Et comme m'a dit Fabienne, visiblement, la sortie à Lourdes, c'était un souhait qui avait été verbalisé par les résidents, donc forcément que là... On fonce quoi, pour tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce souhait. Quoi. Donc voilà, ça c'est déjà la première victoire. Et le financement, tu peux nous parler comment les bénévoles trouvent le financement pour pouvoir aider Alors, le financement, il est en partie dû à une vente de doudous, qui est donc une production qui est réalisée par les résidents de la maison de retraite au long cours, donc tout au long de l'année, avec l'aide de bénévoles de notre association, avec l'aide de Fabienne, qui donc est notre relais ô combien important au sein de la maison de retraite, puisque c'est elle qui arrive à coordonner donc les actions avec les moyens que nous on peut lui apporter, c'est-à-dire la fourniture en termes de laine, d'aiguilles à tricoter, et puis voilà quoi. C'est vraiment génial, quoi. Finalement, ce sont un petit peu les résidentes qui ont aussi participé au financement de leur sortie. C'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Et puis bravo aux personnes aussi qui achètent les doudous aussi, qui permettent aussi par ricochet qu'une action comme ça se réalise. Ouais, c'est vraiment, vraiment génial. Bravo à tous, bravo à tout le monde. C'est vraiment une belle action. Bon, je me suis laissé dire, je crois qu'il y a un magnifique projet en cours.
On en reparlera plus tard. On se verra, on va laisser un petit peu mûrir tout ça. En tous les cas, vraiment bravo, bravo à tous. Merci à vous. Les poissons se sont faits discrets dimanche après-midi. En effet, un concours départemental de pêche-couille était organisé, mais les prises n'étaient pas au rendez-vous. Écoutons M. Marie-Thérèse, responsable du gardon de la Gaule Agette-Maussienne. C'est un concours, c'est le championnat des Landes par équipe de pêche au cou. Il y a 10 équipes qui sont en lice, 2 équipes de Mont-de-Marsan, 2 équipes de Dax, une équipe de Tartas et une équipe d'Agenmaux et une équipe de Saint-Sever. Bon, on est divisé sur 4 secteurs. Le secteur du Carpodrome, le secteur du Grand Lac sur les bambous et la pelouse. Et le quatrième secteur est au Petit Lac face à l'hôtel. Voilà. Et disons que pour l'attribution du trophée, ça sera celui qui aura le moins de points parce qu'il y a un équipier sur chaque secteur. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est un concours uniquement au poisson blanc, il n'y a pas de carnassier. Poisson blanc, tous les carnassiers sont comptés s'ils font la maille, disons la dimension, mais autrement tous les poissons y comptent. Voilà. Ce beau temps qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on prend du poisson aujourd'hui ? Non, aujourd'hui c'est une tristesse pas possible, pas de poisson toute la semaine, les entraînements, il y a eu des entraînements avec du poisson, c'était assez prolifique, et aujourd'hui le fait qu'il y ait beaucoup de monde ou le soleil, je sais pas, il paraît que c'est la lune, mais ça mord pas, voilà. Bon, mais écoutez, il y aura eu toujours quand même une belle après-midi. Peut-être un prochain rendez-vous ici sur ce... Je pense que le prochain rendez-vous se fera cet hiver pour le critérium d'hiver du CD40, voilà. Il y en a qui sont jamais contents, hein. Ah, quand il y a la fiche, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, il y a pire. Tu as fait un peu de truc pour les calmer. C'est beau, t'as pas dans ce temps. 2550. Ouais, c'est bon. 2550. Dimanche matin, randonnée solidaire organisée par la SCCA de Saint-Cric au profit de la Oli. Notre association Saint-Cric-Chalosse Animation a pour but de regrouper toutes les associations de Saint-Cric, dont le comité des fêtes, la chasse, la pétanque, la gym, le basket. Et les anciens. Et les anciens. Voilà. Donc chaque dimanche, le bar est ouvert et l'argent que récolte l'ASCA est reversé en part égale aux associations qui adhèrent à cette association. Aujourd'hui, donc, on a ouvert cette journée détente où on propose une marche au profit de la Oli. On a à peu près 90 marcheurs. Donc, comme on disait, tous les profits sont reversés à la Oli.
y a de la montée à Saint-Cric. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il y avait de la montée, mais super parcours. Non, c'était bien balisé. Mmh. Non, c'était un bon moment. Ouais. Encore une fois. Et encore une fois, justement, la Oli est à l'honneur avec une association du coin. Ouais. C'est génial, ça. Ouais, on a toujours ce gros soutien local qu'on ne peut que souligner. Et remercier, hein, que ce soit les peñas, les commerces, les associations sportives, les comités des fêtes, toutes les personnes qui nous ont aidés depuis le début. Hein. Donc on a une énorme reconnaissance et un gros remerciement à envoyer à toutes ces personnes locales qui nous aident et nous permettent de pérenniser nos activités. 32 arts et 500 pieds de vigne suffisent à un petit producteur local pour produire 1000 bouteilles de vin. Nos reporters se sont retroussés les manches. C'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Voilà. Donc, pour émerveiller vos papilles de bon matin, je vous conseille de goûter la production à Jean-Pierre. Ah, non, c'est pas la meilleure. Je vais quand même présenter, je m'appelle Jean Rivière, mais tout le monde m'appelle Jeannot. Alors on est propriétaire avec la famille Escoubé et moi-même du château Cantelobe à Saint-Émilion. Et bien avant cela, j'étais propriétaire viticole à Montagne-Saint-Émilion du château Vieux-Fraquillon, qu'on avait de père en fils depuis 4 générations. Donc voilà pour la petite histoire. Je voudrais remercier Jean-Pierre quand même d'organiser cette journée. Parce que c'est très important, quand on a parlé, Jean-Pierre me parlait qu'il avait des vignes, mais depuis quelques années. Et cette année, on se rencontre et je lui dis, tiens, quand je viendrai chez Christian Labatte, mon ami également, qui fait l'excellent foie gras, ce soit dit en passant, je dis, je vais aller voir les vignes à Jean-Pierre. Donc j'arrive, je dis à Kiki, emmène-moi chez Jean-Pierre. La vigne. Voilà. Je vais voir la vigne à Jean-Pierre. Et j'arrive ici, je m'attendais à un truc, le désastre, quoi, Tchernobyl à côté, c'était des branleurs. Et j'arrive, je regarde. Et je lui dis, mais c'est qu'il est bon. Il faut savoir que pour faire un bon vin, il faut avoir un bon raisin. Et pour faire un bon raisin, il faut avoir une jolie vigne. Donc ça commence par là. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va faire une petite méthode. Vous allez vendanger. Il y a des règles pour vendanger. On croit que vendanger, c'est juste couper du raisin. Non, il y a quand même une approche. C'est-à-dire que déjà, quand on vendange, on se met un par un face à face. On met son panier en face de l'autre et on coupe au-dessus du panier pour éviter que les graines qui tombent. Parce que sur une grappe, il y a toujours des graines qui sont un peu plus mûres que d'autres, donc à peine on touche, elles tombent. Pour éviter qu'elles tombent par terre, parce qu'évidemment, c'est celles-là qui ont le plus de degrés, vaut mieux les faire tomber dans le panier. Voilà. Une fois cette étape passée, chacun qui aura un panier va venir au fouloir, là, tant qu'il se trouve là-bas, prendre sa grappe et les rafler, c'est-à-dire faire tomber toutes les baies de la rafle. Et la rafle, on la mettra de côté. Parce que cette année, on va faire vinifier... La vigne à Jean-Pierre, le raisin de Jean-Pierre, on va essayer de faire un excellent vin, qui je pense sera pas trop difficile à faire, vu l'excellent état du raisin. Donc on va vinifier ça à la tradition, comme on fait à Saint-Émilion et dans d'autres régions de France. Voilà. Donc, une fois que vous avez vendangé, votre panier est plein, vous venez, pour que chacun puisse participer à toutes les étapes, ceux qui ont le panier plein viendront au fouloir, et rafleront leur panier et fouleront. Et ceux qui ont le panier vide prendront le relais à couper le raisin. Comme ça, tout le monde participera à chaque étape. Et après, nous irons au chai pour vider la vendange foulée dans la cuve et vous expliquer les remontages que va se faire un plaisir de faire Jean-Pierre pendant 9 jours, matin, midi et soir. Voilà, mais ça sera un autre détail. On va attendre qu'on soit complet. L'équipement, donc, un seau. Pour récupérer donc la vendange, le sécateur pour la coupe et des gants pour le raflage. Coteau du Leuil domine largement Montauban, heureusement pas à huis clos comme c'était prévu initialement. Oh,
presque parfait. Ouais, il n'y a pas grand chose à jeter. Ça vient peut-être un peu tôt. Il ne faut pas qu'on se mente parce qu'ils ont des absents, ils ont eu un blessé d'importance. On a tout fait tomber dedans. Il y a toujours un, deux, trois matchs dans l'année, on a déjà fait un. Il ne faut pas croire qu'on va surfer sur cette dynamique d'adresse. Maintenant, voilà, il n'y a que la victoire qui est belle sur un premier match qui devait être à huis clos. On prend, c'est de la confiance emmagasinée. Et mardi, le sac sera léger, les sourires seront de retour avant un tout autre match dans les arènes ATBC. Voilà, ça ne sera pas du tout la même, on le sait très bien. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Comme d'habitude, pensez au pouce bleu et puis partagez beaucoup.